Christ, from the rising of the sun to its setting, praise be the name of the Lord. It is my singular honor and privilege to welcome you all to this occasion where we have gathered to celebrate the 50th anniversary of Claritian presence and mission in Cameroon. It is clearly a day of joy and thanksgiving when we pause amid songs and laughter to render thanks to God for his bountiful marvels in our lives and in the life of our congregation, especially here in Cameroon. Votre présence ici, mes chers frères et sœurs, témoigne non seulement de la présence de Dieu parmi nous, mais aussi de l'importance que vous attachez à la mission, à l'œuvre et à la présence des Claritains dans notre très cher pays, le Cameroun. Rien ne nous arrête malgré les kidnappings subis par nos missionnaires. Though we come from different cultures, we have chosen our theme for the Jubilee, Ut Unum Sint, May They Be One, qu'ils soient un. Nous voulons dire au monde entier, et au Cameroun en particulier, qu'il est possible de vivre ensemble et d'œuvrer pour l'unité dans la paix et la réconciliation. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Il est vivant et actif. Lèvons-nous pour acclamer la parole de Dieu. À l'occasion du 50e anniversaire de la présence des pères missionnaires claritains dans notre pays, le Cameroun, l'Église se réjouit aujourd'hui d'accueillir ces jeunes qui font partie de cette famille religieuse pour être admis à l'ordre des diacres et au sacerdoce pour le service de Dieu et de son peuple auquel ils seront envoyés. Que pouvons-nous tirer de ce passage de l'Évangile? Qui sont les protagonistes de l'Évangile? Pierre, qui est l'un des premières personnes à avoir suivi Jésus. Dans l'Évangile de Saint Jean, c'est lui qui demande qui est le traître par l'intermédiaire de Jean. Son destin est toujours lié à celui de Jean. Puis il se dit prêt à mourir pour Jésus. Au jardin des Oliviers, il sort son épée pour défendre Jésus. Cher candidat au sacerdoce, dans peu de temps, vous monterez à l'autel pour consacrer le pain qui deviendra le corps de Jésus, le vin qui deviendra le sang de Jésus. Avec l'ordination sacerdotale, vous recevez un don unique. Dieu se remet entre vos mains. Traitez-le donc avec respect
avec amour, avec dévotion. Recevez-le dans vos mains comme Marie, sa mère, l'a reçu. La gardez dans ses mains avec amour et un cœur pur. Comme Joseph d'Arimathée a soigneusement fait descendre son corps de la croix et adorez-le comme les anges et les saints l'adorent. En célébrant la Sainte Messe, soyez conscients de ce que vous faites. Vous vous identifiez avec le Christ et célébrez donc avec la pureté de l'esprit, avec attention, avec dévotion, comme nous l'enseigne l'Église catholique. Cher fils, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous accomplir votre fonction diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et les prêtres à faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider? Oui, je le veux. Joseph-Marie Brice, Philippe Christian, Eddie Carlos, Achille Apollinaire, Victorien, Gaston Mérie, Jean-Augustin, Albert Arnaud, Abel Marie, émérant les dons de son esprit. Santa Maria Mater Dei, Sancte Michael, This celebration is a very wonderful one. It's a special celebration of its kind. We are celebrating 50 years of the presence of the Claretian missionaries in Cameroon. But not only the 50 years, today we have the gift of receiving 6 deacons and 5 priests ordained for the church. Today is a day of grace. Today is a day of blessing. And heaven and earth have witnessed this great event, and we thank God for all the graces received today. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. My message is message of peace, message of love, message of reconciliation. Let us move together so that the kingdom of God may continue being alive. Well, this is a great day for us, 50 years of our presence here. I think
It's a blessing and a call to greater commitment. That's what I told my brothers. We should be a blessing and give from this, what we have received from the Lord, we should give abundantly. My words actually in the very ordination, that word is there, no? To the word of God, to believe what we preach, practice what we speak. No? So to the deacons and the priests to be like Christ, give our life, no? For our people. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous présente.